coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Alors, la créa VA, mais j'attends d'autres choses, donc je vais mettre tout à la suite. Hein, dès que je reçois, je ferai au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, j'ai commandé, enfin, cette commande, j'ai commandé des encres parce que, en fait, les miens, ça faisait une dizaine d'années que je les avais et ils commençaient vraiment à ne plus fonctionner correctement. Donc j'ai pris une vintage photo. Par contre, j'ai pas les prix. Alors attendez, je vais me connecter peut-être sur le site et je vais peut-être vous trouver les prix. Alors. Alors, mes commandes. J'ai commandé la Versafine. C'était 8,29€. Un encreur Memento noir à 5,29€. Une Distress Ink Vintage Photo à 5,99€. Et j'ai pris aussi de la mousse adhésive parce que celle d'action, bon, elle n'est pas chère, tout va bien, mais voilà, je ne suis pas fan. 1,79€, donc pour 5 mètres en 2 mm. Donc comme ceci. Et j'en ai pris 4. Voilà. En tout, ça m'a fait 7,16€. Donc, c'est de la mousse 3D. Je ne sais pas si vous voulez vous la montrer. Mon Dieu, c'est ça. Voilà. Bon. On verra ce que ça donne, si elle est mieux que celle d'action ou pas. Alors, j'ai changé. En fait, j'avais déjà ces encres. Hein. Mais ça faisait plus de 10 ans, je crois, que je les avais. Et elles commençaient vraiment, voyez, la Memento. Bon. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence. Il était temps que je les change. La Versafine. Non, la Versafine, elle va encore plutôt pas mal, la Versafine. Ah ouais, mais c'est pas la même. Ah oui, c'est pas la même. Onyx. Ah, la boîte a changé. Mais la Versafine, ça va encore. C'était correct. Mais la Memento, voilà. Donc, par contre, j'étais con parce que je vais aller travailler, j'ai les mains toutes noires. Donc, la Memento poubelle, la Versafine, je peux encore la garder. Et par contre, la Distress, elle, vraiment, vous voyez, l'ancienne. Hop. Et la nouvelle. Donc, c'était vraiment temps que je les change. C'était pas un achat superflu. Donc la Distress et la Memento poubelle. Voilà. J'ai commandé d'autres choses. Donc ce sera un haul un petit peu voilà, mélangé. Je mettrai ce que je recevrai au fur et à mesure à la suite de la vidéo. Voilà. Coucou tout le monde. Nous sommes aujourd'hui samedi. Samedi 6 février, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'était un peu dur ce matin. Du coup, j'ai décidé d'aller me promener, d'aller faire des courses. J'avais des courses à faire. Donc, je me suis dit, allez hop, prendre l'air, ça va me faire du bien. Donc, je suis allée à Centre Accor. Et il y avait une promo pour 4 produits achetés pour 1€.
Donc j'ai pris 8 produits, donc j'en ai eu pour 2 euros. Donc j'ai trouvé d'abord ce petit pot, comme ceci, avec plein de petites découpes en bois sur le thème de Noël. Vous avez des rennes, des bottes, des moufles, des petits Pères Noël comme ceci. Ils sont vraiment mignons pour le prix. Enfin voilà, 8 articles pour 2 euros. Franchement, fallait pas se priver. Donc je le remets dedans. Hein. Vous avez, voilà, je vous montre un petit peu. Hop. Voilà, tous des petits embellissements comme ça en bois. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Si j'arrive à le remettre, ça serait encore mieux. Donc voilà, le temps est pas beau. Mais bon. Ensuite, j'ai trouvé ces demi-perles comme ceci. Elles sont oranges. Je sais pas si vous voyez bien. Il est tard, mais voilà. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris. Bon, voilà, on a une petite coupure. On a frappé à la porte. Donc, je vous disais, après, j'avais trouvé ce ruban comme ceci. Pareil, hein, dans les 4 à 1 euro. Hop, un genre de ruban comme ceci. Voilà, très sympa. Bon, ça, pareil. Bon, c'était les 4 pour 1 euro. Je ne me suis pas privée non plus. Ensuite, j'ai pris ces fleurs-là. Qu'est-ce que c'est marqué? Ouais, fleurs décoratives. Bon. C'est un genre de grosse fleur comme ça. Je me dis que pour le mixed media, ça peut être pas mal. Je vais vous l'ouvrir. Hop. C'est comme ceci. Je me dis que ça peut être bien. Une scène média. C'est assez. Voilà, on verra. Et ensuite, j'ai trouvé des petits sachets de fleurs comme ceci, en papier. Alors, j'ai pris les roses foncées. Fuchsia un peu. Des rouges. Et des roses plus claires. Voilà. Ça, c'était à Centracor. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Action. Alors là, j'ai craqué. Bref. Donc, j'ai trouvé des paillettes. Donc, c'est les 5 petits pots comme ceci. Donc là, c'est dans les teintes de rose et rouge. Je sais pas si vous voyez. Si on voit bien, parce que vu le temps et qu'il est déjà 18 h, ben voilà. Ici, vous avez du blanc, de l'argenté, du noir. Alors, j'en ai déjà hein, les mêmes, c'est juste les formats qui changent. Ici, vous avez du bleu, du mauve, des roses. Voilà. Et ici, vous avez des dorés et des cuivrés, comme d'habitude. Voilà, on les a déjà, mais j'aimais bien le petit format comme ça. J'ai trouvé ça sympathique. Ensuite, j'ai retrouvé ces fleurs. Ah, mais je ne vous ai pas dit les prix. Attendez. Les paillettes. Oh, pétard. Les paillettes. Tour de paillettes, c'est 99 centimes. Donc, on va faire dans. Donc, j'ai pris 2 panières, comme la dernière fois, en plastique. Sauf qu'il n'y avait pas des noirs. Cette fois-ci, j'ai pris des bleus. Ça, c'est pour mon linge à repasser. Mon linge à laver, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris. Je sais pas par où commencer. J'ai pris ces fleurs. Donc, ces fleurs, c'est 84 centimes. Donc, j'ai pris 2 bleus, comme ceci. On les a déjà vus, hein, on les a déjà trouvés à Action, mais voilà, ils ont remis. J'ai pris 2 vertes. Voilà. 2 blanches. Et 2 roses. Je les aime beaucoup. Donc, j'ai sauté dessus parce que ça faisait un moment que je les avais pas vus. Et du coup, voilà, je suis contente de les avoir trouvés. Ah, ma fille devait me ranger ça, elle n'a pas rangé. Bon, ça va. Ensuite, j'ai pris ces fleurs. Pareil, je les aime beaucoup. Alors, c'est pas ceux-là. Ah, c'est ceux-là. 84 centimes, les 12. Là. Donc, j'ai pris des rouges.
des un peu jaune orangé, des bleus comme ça et des roses un peu saumon comme ça. Voilà. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Celle-ci, c'est les 15 pièces. Elles sont où? Alors, les fleurs en tissu, c'était quoi? Ouais, bon. Je ne sais plus, en fait. Je suis perdue dans les fleurs. J'ai pris les roses comme ça aussi. Donc, ça, c'était les 12 pièces. Donc, ça, j'ai bon. 4, 6. Fleurs papier, 12 pièces. OK. Ah, fleurs au bien, 6 pièces. 6 pièces. Ah non, oui, d'accord. Donc, avec perte, c'est celle-ci, 84 centimes. Donc, j'ai pris les blanches, les jaunes et les roses. Et celle-ci, 3, 6, 9 pièces. Celle-ci, c'est 79 centimes, en fait. Voilà. Et ensuite, là, 15 pièces. Avec les bords dorés, bon, ils disent 8 pièces, mais en fait, il y en a 15 pièces dedans. Donc, fleur papier, bord doré, 84 centimes. Donc, c'est celle-ci. J'ai pris 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Je vais essayer de l'ouvrir. J'ai pris du masking tape. Alors, je l'avais vu dans... Je crois que c'était sur la chaîne de Scrap Sweet. Que je l'avais vu, je sais plus. Le masking tape comme ceci, avec les ici des arbres. Voilà, dans les teintes orangées. Les renards. Et moi, j'ai pris pour les renards, bien entendu. Et ici, on en a un avec je sais pas ce que c'est. Et là, ce sont des petits champignons. Voilà. Et là, je sais pas ce que c'est dessus. Je sais pas. Je vois pas du tout, de toute façon. Bref. Et ça, c'était... donc, je les avais pas vus, ceux-là. Et je regarde plus trop le masking tape. Mais comme j'avais vu sur sa... Sur sa chaîne... qu'elle avait trouvé ça, j'ai dit, ceux-là, il me les faut. Je crois que c'est 89 centimes. Voilà. Ensuite, j'avais vu pareil sur une autre chaîne. Je sais plus qui. Les boîtes de... Ouais, de... Pareil, de masking tape, comme ça. Sauf que les siens, elle avait trouvé sur le thème tropical. Moi, j'ai pas trouvé tropical. J'ai trouvé un peu plus la jungle, en fait. Donc, ça, c'était 1,99€. Donc, vous en avez un avec des léopards, un zébré, un avec des silhouettes de girafes. Celui-ci, ce sont des petites voitures, des jeeps. Vous avez les éléphants. Vous avez celui-ci où c'est écrit Safari. Et ensuite, vous avez un bleu pailleté et un doré pailleté. Voilà. Ensuite, j'ai pris des ampoules. Mais ça, vous en fichez un peu. Ensuite, j'ai trouvé ces tampons. Alors, je prenais plus de tampons bois de chez Action. Parce que on avait des grands dessins devant. Et en fait, le tampon derrière était tout petit. Mais là, il me semblait que le tampon était de la taille du dessin. Donc, franchement, voilà, les grands tampons. J'ai pris le petit pouce, le petit oiseau. Il est trop mignon. Ça, c'était 99 centimes. Ouais. Il y avait plein de modèles. Moi, j'ai pris ceux qui me plaisaient. Donc, le petit oiseau. J'ai pris... Je vais vous les ouvrir comme ça, vous les verrez mieux. Parce qu'avec l'étiquette devant, c'est pas top. Voilà, bon, j'ai pas trouvé encore les dies. J'aimerais bien en trouver quelques-uns. Je les veux pas tous, hein, mais il y en a certains que je voudrais, je les trouve pas. Vous avez ce joli papillon, voilà, voilà. Mais je sais pas, je trouve qu'il a une aile bizarroïde par rapport à l'autre, je sais pas. Peut-être un effet d'optique. Ensuite, vous avez ce petit animal. Je ne sais pas ce que c'est, mais il est vraiment trop mignon.
ça ressemble à un renard ou à une chose comme ça. Je pense que c'est un renard. Ouais, moi je dirais un renard, mais bon, voilà. Je suis pas sûre que ce soit un renard. Il est pas dans les bonnes couleurs, mais. Ah, celui-là, j'ai craqué parce que, bon, comme vous savez, j'aime l'automne. J'aime les animaux de l'automne. J'aime les renards, les hérissons, les hiboux, les biches, les cerfs. Enfin, voilà, j'aime bien l'automne. Et j'ai trouvé... Oh, j'espère que je ne l'ai pas abîmé. Non, c'est bon. J'ai trouvé ce petit hérisson avec des lunettes. Regardez comme il est beau. Il est trop mignon. Franchement, j'adore. J'ai craqué sur le hérisson. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'aurais peut-être dû prendre autre chose pour ouvrir qu'un grand ciseau comme ça, franchement. Bon, je vais pas refaire descendre une fille parce que... Gueuler. Hop. J'ai trouvé ce petit... Je crois que c'est un raton laveur. Mais avec les fleurs, je les trouve trop, trop beaux. Franchement. Et en plus, la taille, je suis vraiment pas déçue parce que la taille est vraiment la taille de du motif sur le tampon. Enfin, sur le bois. Donc, ceux-là, vraiment, avec leurs fleurs, là, ils sont vraiment trop, trop beaux. J'ai trop hâte de faire des cartes avec parce que, franchement, j'adore. Et ensuite, j'ai trouvé à combien? Il est où? Donc, ça, c'est les lampes. Ah oui, j'ai trouvé un set de dessin avec 13 crayons dedans pour ma fille et un bloc de papier, mais elle l'a monté, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai trouvé l'outil d'estampage à 4,49€. Il se présente dans la boîte comme ceci. Moi, j'en ai déjà un, mais je voulais le tester. Et peut-être l'offrir dans un lot concours, on verra. Ah, mais il est pas mal quand même. Peut-être le garder aussi. Ah oui, et j'aime bien. Il est aimanté, donc vous avez les deux aimants. Ah, il est pas mal. Alors, ça se présente comme ceci. Vous avez une réglette ici. Il est vraiment pas mal. Peut-être je le garderai parce qu'il a l'air vraiment bien. Donc ça, à voir. Je le testerai et je verrai si je le garde ou pas. J'en ai un, hein, j'ai le We Are Memory Keeper, mais celui-là m'a l'air plus grand. Et en fait, on peut faire plusieurs sortes de tampons. On peut faire les tampons clear. On peut faire les tampons mousse. Parce que si on enlève ça, vous voyez, ça nous fait une belle épaisseur. Et enfin, ça nous fait cette épaisseur-là, en fait. Du coup, on peut faire les tampons un peu plus épais aussi. Donc, ouais, je sais pas. Je vais peut-être la garder, en fait. Je sais pas. Je verrai. Donc, voilà. Ça, c'était 4 euros. Je vous ai dit 4 euros. 4 euros. Non. 4,49€. Voilà. Je suis contente de l'avoir trouvé. Bon, après, il y a les explications derrière. Franchement, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour ça. Alors, utilisez ça. Et ouais. Et ensuite, du coup, comme j'ai trouvé le masking tape sur la jungle, j'ai pris ce... Bah, je sais que c'est des anciens, hein, 1,79€. Mais comme je n'étais pas sûre de l'avoir, et comme j'ai trouvé le masking tape, je me suis dit que ce serait sympa de le prendre sur le thème de la jungle. Ouais, je vous le montre pas parce que je pense que vous avez déjà archi vu. Donc, ça ne sert à rien. Et la dernière chose que j'ai trouvée, j'ai encore jamais vu dans des hauls. Donc, je pense que peut-être une nouveauté. Je sais pas. Moi, je regarde pas non plus. Enfin, je regarde beaucoup de hauls, mais peut-être j'en ai loupé un. Hein. J'ai trouvé des feutres alcool pailletés. Donc, c'était... Ils sont... C'est pas ça. Ah oui, c'était 1,39€ les deux. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est marqué marqueur pinceau à paillettes. Voilà. Donc, vous avez donc le noir et doré. Voilà. Et je vais les tester, hein, avec vous, comme ça. Vous avez dans les teintes de violet, il y avait 6 couleurs. Vous avez les verts, vous avez les bleus,
les roses et les jaunes orange. Ouais, jaune orangé. Et ça fait pailleté normalement, comme vous voyez un peu sur la vidéo. Donc, ah ouais, oh bah super. Bon, ça a fui déjà. Donc, c'est déjà un 0 pointé. Alors, je vais mettre sur pause. Je vais les tester. Enfin, je vais faire des traits avec et je reviens vous montrer. Bon, en fait, je vais vous reprendre de suite parce que déjà, le premier, le test, c'est pas concluant. Donc, il faut enlever, vous voyez, l'anneau rouge ici. Déjà, celui-là, il fuit. Donc, j'en ai partout. Il faut enlever l'anneau rouge, appuyer 2 ou 3 fois sur le corps. D'accord. Ouais. Ah si, c'est pas mal. J'avais pas assez appuyé en fait. Ah si, c'est joli. Bon, on va voir. Je vais faire le jaune parce que le... Oui, j'avais pas... Ok. Alors, attendez. C'est un peu dégueulasse, hein. Franchement, après, vous pouvez aller vous laver les mains bien comme il faut parce que... Bon, il faut... Hop. Ah si, les couleurs sont pas mal. Ouais. Alors, je vais vous montrer le jaune et le orange. Et après, je vais vous faire avec les... Par contre, il faut faire attention parce que ça, ouais, ça dégueule un petit peu. Mais oui, ça brille, c'est pailleté. Et voilà. C'est pas mal. Je vais prendre une autre feuille, mais les couleurs sont plutôt pas mal. Voilà. Bon, je vous mets sur pause. Je teste les autres et je reviens vous montrer ce que ça donne. Bon, c'est un test plutôt chaotique. C'est bien dommage parce que les couleurs sont plutôt jolies. Voilà, on voit bien le pailleté. Mais il faut bien tester, il faut bien faire avant le premier essai. Il faut bien le faire. Donc, vous enlevez la bague rouge et vous pchitez au-dessus d'une autre feuille parce que vous voyez là, j'ai complètement zappé. J'ai pchité là et ça me fait une catastrophe. Et bah, y en a 3 qui ne fonctionnent pas. Donc, le noir, le doré et un bleu. Donc, j'ai beau appuyer, appuyer, appuyer. Ça ne veut pas venir. Donc, bon. C'est dommage parce que les couleurs sont jolies. Hein. J'ai une main dégueulasse. Et voilà, il y en a 3 qui ne fonctionnent pas. Donc, je suis un peu dégoûtée. Le argenté, le noir et le bleu. Je ne sais même plus lesquels sont lesquels, en fait. Mais bon, voilà. Dommage. Vraiment dommage. Ah, mais le noir, il commence à arriver. Alors, mais ça fait déjà un bon moment que j'appuie. Hein. Bon, écoutez. On verra plus tard. C'est tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je vais vous mettre ce haul à la suite de celui de Créavea. Créavea, oui. Et non, mais les petits... C'est sympa. C'est sympa. C'est dommage. J'en ai 3 qui ne fonctionnent pas. Parce que franchement, ça fait des... Ouais, ça fait des jolies couleurs. Vous voyez ? Ça, c'est quand j'ai chit, chit, chit. Ça fait des belles couleurs. Hein. Mais bon. 3 qui ne fonctionnent pas, on verra bien. C'est pas très grave. En même temps, c'est action. Pour le prix, on va pas mourir. Donc, voilà. Ben, ce sera tout pour ce haul. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye.